Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait une amulette du Strigide pour aller sur un mode farm, donc en très offensif avec dommage sort, qu'on passera soit sur le PA, soit en rune de transe si on arrive à sortir un génie perf. Voilà, donc on est parti, on a 94 de puits. Alors les difficultés de l'item, évidemment, c'est gérer la puissance. J'aimerais vraiment un item à 70 de puissance. Les deux crits, c'est facile, on les laisse en dessous de 19 et après on va chercher les 25 à la pas de crit. Mais la puissance en termes de congruence peut vraiment poser problème. Là on a 35 sagesse, donc on va être bloqué à 38, bon c'est la vie. On va commencer par l'over vita qui passe, moins 10. On a 22 à récupérer, on peut y aller. Bon, on va y aller ruiner, on va pas se casser la tête. Ou Runini plutôt. Ok, moins 6 qui est pas mal. Moins 6 à nouveau. Faut mettre une petite raie neutre. Enfin, moins 10, parfait. Ok, 400 vita, on a la vita perf. Ensuite, on va mettre la papuie qui passe, moins 6. La de crit qui passe, moins 5. Ok, maintenant on va commencer à avoir des grosses runes à balancer. On va mettre tout de suite la Padocrite qui crit, évidemment. La Passa qui passe. La Passa qui passa, même, j'ai envie de dire. Bon, il nous reste encore pas mal de puits. C'est le moment où il va falloir mettre Padocrite et Rapuit. Ça va être vraiment les plus grosses runes. Oh, le crit régale. Alors ça régale moins. Et ça régale quand même. Ok, ça se passe extrêmement bien. On a 49 restants. Il nous faut le crit qui crit. Oh là 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 là, magnifique. Moins 7, moins 6, il nous reste 36 de puits, c'est absolument fou. On a donc deux tentats dommage sort et on a deux runes sagesse à mettre. Sur un crit, on peut gagner un de sagesse, on sait jamais. Deux tentats de perso. Pas de deux perso, mais si le PA passe, ça prend une transe et c'est plié. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 99,2 de puits. Bon, on n'a pas la puissance perf, c'est un peu dommage. On va commencer par la ravie. Ah, oh bah c'est bien. En vrai, je préfère me taper ça sur un G où j'ai pas la puissance perf. Hein. Bon, bah là, on peut arrêter. Hein. C'était bien, c'était très bien, c'était cool. Hop, on récupère le perf vita au moins. On aura cette petite satisfaction. Le cri de sagesse. J'ai arrêté de compter, hein, j'y crois plus. Hop, là, bah plus de puits. Et évidemment, quand c'est un jet de mort, on a le PA. 90 de puits. Bon, 58 de sagesse, c'est le pire cas de figure. Donc ça va pas être ouf, on va commencer 2 crit, pas de crit, on a moins 20. Allez, la rapuie qui passe. On a moins 35, bon tout qui passe en neutre. C'est pas dingue mais on va faire avec. Moins 14 ici, moins 6 et il nous reste tout pile une tentade au perso. Ça a le mérite d'être carré. Qui passe pas. Pas de PA. 99 de puits. On peut faire un truc ambitieux à base de ravi. 31. En vrai, je peux tenter moins 25 ou moins 26 de crit et après espérer moins 5 ou moins 6. Mais si j'ai full moins 5, je suis dans la sauce. Vas-y, go test. Moins 25, ok, il me faut un moins 6. Et non. On peut tenter ça. Ok, moins 2. Non, mais il n'y a que moi qui fais ça, n'ayez pas peur. C'est de la chimie, c'est de la forge de chimie, ça. Ok, bon, 399 vita, c'est giga legit. Alors. On va go la rune d'eau. Alors attendez, parce que du coup on a les décimales de puits. On a plus 0,2, plus 0,7. Non, c'était plus 0,2, c'était évidemment plus 0,4. Moins 1, plus 0,3, moins 5. Magnifique. Ok, on va go rappuie tout de suite. Non, d'abord la pado, je pense. Appui, ok, moins 20. Et là, pas de crit qui crit. Ok, on est très bien. Moins 7, il nous reste le crit à mettre. Décidément, ça crit pas mal aujourd'hui. 37 de puits. J'ai 7 en rab et 2 tentats derrière. J'ai donc 3 tentats puits. Sur un malentendu, ça peut crit, hein, évidemment. Do perso, une fois, deux fois, ça passe pas. Le PA, pas de PA. 96,8 de puits, peut-être un tout petit peu de rab. Faudra vérifier ça. Je peux soit forcer pavi. On va faire ça. Allez, moins 6, c'est plié. Nice. Allez, là, il me faut le moins 5.
Cool. La papuye. Nice. Bah écoute, ça se présente plutôt bien. C'est cool. On va mettre l'appât de crit tout de suite. Moins 15, pas de crit. Allez, il faut du crit là. Les grosses runes. Ouf. Moins 20, ça va. On se rattrape sur un crit derrière. Et on a un crit à côté encore. Bah écoutez, ça se passe bien. On va mettre l'esquive PA. Ouh, aïe aïe. Moins 21. Ouais, dommage. Là-dessus, on se fait un peu bolos. Moins 12, on a une tentacle qui passe sans crit. On a 7 de puits restants. Je peux faire deux tentes à sagesse en soi. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 98 de puits. Bon, on a les dommages crit à 20. On est juste après le puits précédent, comme vous le voyez dans l'historique. Donc là, le problème, c'est que les deux crits sont pas passés à 19. Donc il faut que je les monte à 22 manuellement. On va faire ça tout de suite. Ça peut soit bouffer tout le puits. Ok, c'est franchement correct. Moins 25. Allez, la Vita qui crit, ça fait plaisir. On a même un petit plus 0,2. On prend, on prend. La rapluie. Nice. L'appât de crit. Nice, moins 15. Le crit. Ouh, moins 30, dommage. On perd beaucoup là-dessus. Repère, moins 24. Bah écoutez, 4 de puits restants. 2 temps d'appui. On n'a pas le PA. 97 de puits. On va commencer par la Vita. Bon, on n'aura pas des très bonnes congruences, on peut essayer de faire un truc régul correct, mais ce sera pas ouf. On va mettre une rune prosp. Ok, moins 15, c'est bien. Allez, il faut passer deux papuis. C'est tout à fait correct, moins 18. La part de crit, moins 15. La rapuie qui passe. J'aurais bien aimé un crit là-dessus, je vous avouerai. Et tout en succès neutre. Bah écoutez, c'est pas dingue, on a 19. C'est-à-dire deux tentes appui. Le reste était propre sur l'item. Et une tenta de perso. Décidément, les deux persos, c'est pas trop ça. Hein. Évidemment, on a le PA. Ça m'embête de trans ça, c'est pas hyper beau. Après, c'est de la muse trigide, donc ça se revend facilement, quoi. Après, les runes trans sont assez chères en ce moment. Elles sont à 3 millions et quelques. Mais bon, c'est pour la science. C'est pour avancer dans les modes. Donc à remplacer au plus vite par un meilleur G, mais temporairement ça m'ira. Ça m'ira complètement. Et je parle pas du champion de LoL. Ok, et bah écoutez, on finit là-dessus. Bah écoutez, fin de cette petite vidéo. Dommage, on a eu des meilleurs G qui sont passés avant, on n'a pas eu le PA. Mais ça reste quand même voilà, plutôt efficace, plutôt rapide, plutôt correct. J'espère que ce petit FM vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Repassage invoque pour l'amulette Volcorn d'un abonné. C'est parti. Et ça passe pas. Dommage, c'était un full perf.